On va lui demander de reculer juste un peu, de nous faire des petits pas de danse avant de commencer l'interview. Papa les kékés. Papa les kékés. Merci, merci. Alors, nous avons, comme vous pouvez le voir, le sosie de Claire Bailly. Oui. Lui, il était obligé de mettre son ventre devant. Oh. Mal perdu vendredi. Mal perdu pour Guizot. Alors, bonjour. Bonjour Eva. Le nom? À l'état civil, c'est Gnagno. Baon Marie-Antoinette Hermans. Alors, c'était des Gagnois. Oh. Ah. La dernière fois, le Fali... Le Fali de sosie. Décidément, la dernière fois, le sosie de Fali était également de Gagnoa. Aujourd'hui, nous avons Hermance, sosie de Claire Bailly. Alors, on va apprendre à te connaître, parler de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis danseuse professionnelle. Ah, oui, tu as dansé notamment avec Lamine TPG. Oui, Lamine TPG. Et d'autres artistes que tu peux nous citer. Bon, je suis dans le clip de Baby Philippe. D'abord, Lamine TPG, d'abord mon patron. Je suis dans le clip aussi de Safarel Obiang, dans le clip de Soumbil, dans le clip de Safado Plaisir. Il y a plein, plein d'artistes, en tout cas. Là, plein. C'est de la tigresse, mais je l'ai vu. Oh. Même dans Alors là, c'est sur la photo, c'est toi. Hein. Oui, c'est moi. Sur la photo, c'est toi. C'est pas Claire Bailly. Alors, la ressemblance, elle est frappante. Ouais. Si, si. On la voit bien. Alors, déjà, comment te naît la passion de la musique et de la danse, surtout? Depuis toute petite, hein, comme d'habitude, vous, Ouzo. D'accord. En 2005, j'ai fait Ouzo avec Matidola. Ah, d'accord. Ah, Ouzo, c'est toi qui as imité Matidola. Non, j'ai pas imité Matidola, mais j'ai dansé derrière Matidola. Ah, oui, d'accord. Alors, décidément, Ouzo Vacances révèle beaucoup de talent. Lui, il a fait Ouzo. D'ailleurs, Guizo est un habitué de Ouzo Vacances. Deuxième entrée. Vas-y. Lui, il a fait comment pour danser? C'est un très grand danseur, vous allez le voir dans quelques minutes. C'est un très, très grand danseur. Alors, à quel moment est-ce qu'on a commencé à te parler de la ressemblance avec Claire Bailly, ou alors tu t'en es rendu compte toute seule? Bon, depuis un certain temps, je veux dire, il y a cela 3 ans, rien, non. À chaque fois que je vais prester, on m'arrête, tu as le même sourire que Claire Bailly, tu sais que c'est ma Claire Bailly. Tout le temps, c'était comme ça. Donc, du coup, moi, je ne voyais pas. Donc, un jour comme ça, j'ai posté une photo sur ma page Facebook et j'ai fait exprès en disant que j'ai le même sourire que qui. Donc, du coup, mes abonnés ont commencé à répondre en bas, Claire Bailly, Claire Bailly, Claire Bailly. En tout cas, 600, là, c'est Claire Bailly 90, c'est Claire Bailly. Ah, ok. Ah ouais. Donc, depuis lors, c'est comme ça. Tu ressembles un peu à Claire Bailly. Tu as le même sourire que Claire Bailly. Donc, voilà. C'est... Alors, sur cette photo également, c'est toi? Si, si. Oui. On a, on a du mal à faire la distinction entre Claire Bailly et Hermance. Alors, est-ce que tu cultives au quotidien cette ressemblance avec Claire Bailly, ou c'est juste pour des occasions très spéciales? Bon, je peux dire par des occasions. D'accord. Parce qu'on voit aujourd'hui le style, la perruque, les lunettes. Oui. Et la danseuse aussi. Oui. Mais est-ce que justement dans ton métier, est-ce que cette ressemblance avec Claire Bailly là te donne un coup de pouce? Est-ce que ça t'aide ou pas du tout? Non, non, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas parce que mon identité, tout le monde me connaît en tant que la danseuse de Lamine TPJ. Donc on m'appelle Antou TPJ. Antou TPJ. Oui. Mais est-ce que tu as déjà pensé à danser pour Claire Bailly? Non, non, j'ai jamais eu l'occasion de danser pour elle. Aujourd'hui, elle ne fait plus de couper des calés, elle est une chantre. Et on la salue d'ailleurs. Elle danse derrière. Donc, oui, pourquoi pas. Alors, comment tu le vis d'être... Est-ce que déjà, Claire Bailly, c'est une artiste que tu apprécies? Déjà, question à poser. Oui, oui, c'est la maman, souvent qu'on se voit. Avant, quand elle faisait le coupé décalé, quand on se voyait, maman, maman, maman. Souvent, elle m'appelait ma petite jumelle. D'accord. Donc, du coup, je suis habituée. Quand elle dit ma fille, elle dit maman, donc tranquille. Est-ce que tu as des fans de Claire Bailly qui viennent vers toi, pensant que c'est Claire Bailly? Bon, souvent, souvent, en Ibos, on me demande si c'est ma maman. D'accord. On ne demande pas si je suis Claire Bailly. Ok. Ah, on me demande, s'il y a un lien de parenté. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette ressemblance-là avec une artiste que tu aimes bien? Mon cher, ça me donne un genre. C'est toi, Claire. C'est Claire. Tu as raison, ma chère.